Et bien voilà, donc on n'est pas de bon matin puisqu'il est 11h moins le quart. La voiture est sur le parking. Je suis dans la ville de Marolles. C'est à 4 km de Lisieux. Et puis grosso modo 20 minutes de chez moi. Donc je démarre pour l'instant. Et puis ça fait 12 km aujourd'hui. Hein, ça change un petit peu de la dernière fois. Juste un petit pique-nique vite fait, sandwich. Et puis découverte de nouveaux paysages. Et j'ai mon sac à dos qui fait crac crac. Je sais pas si on entend. Ah, il le fait plus. Bon. Donc tout va bien. Allez, prochaine à gauche. Petit chemin sous les sapins et je descends tranquillement. Moi tranquillement, mais le chemin descend pas mal. Faut faire gaffe, on met les pattes. Il y a plein de racines en travers. Il y avait longtemps. Moi qui suis adepte du véhicule tout terrain, et ben non seulement c'est interdit au 4x4, mais en plus au trial. Pas de trial. Diable. Et ben on y va à pied. Ça sera mon trial à moi. Je me disais quand même, le interdit au 4x4, bon, le 4x4 déjà, c'est pas défini comme tel sur une carte grise, parce que 4x4 c'est un mode de propulsion, donc ça veut dire que c'est aussi interdit à certains tracteurs, voilà. Et alors quant au trial, je vois pas de véhicule marqué trial sur la carte grise. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, mon petite réflexion perso. Oh vacherie, ça monte. Oh puis sur la route là c'est abominable. On va arriver à corne de roc, comme on dit. Non, corne de roc, corneski, corne de buffle. Corps de bugle. Voilà, corps de bugle. J'espère trouver un petit endroit tranquillou pour faire la pause déjeuner. Il est 12h30, c'est l'heure. Voilà, un petit hameau, hein. On va voir si je trouve quelque chose. Ouf. C'est chiant, ça fait un bon kilomètre là que ça monte sur le béton. Bon, j'ai fait un petit crochet sur la rando pour venir ici. Je pensais trouver une table ou quelque chose pour pique-niquer. C'est l'église Saint-Pierre de Cordebugle. Donc comme il n'y a pas vraiment de table, j'ai demandé l'hospitalité. Et je vais pique-niquer ici dans le coin, à l'ombre. Alors ce sont d'anciennes tombes de soldats morts pour la France. Donc je pense que je vais pouvoir discuter un peu avec les voisins. Aucune raillerie de ma part, mais simplement je serai sûrement au calme et je vais déjeuner ici dans ce petit coin là, m'asseoir là, ça va me servir de chaise et tout ce qu'il faut. C'est pas chaud. C'est pas chaud, j'ai remis la doudoune. Il y a à peine 16 degrés là sur mon petit thermomètre. Et puis depuis tout à l'heure, il se passe des choses incroyables.
j'entendais un bruit de ouh comme ça, mais enfin, quand même. Et en fait c'est ça. Quand il y a du vent, évidemment il n'y a plus de vent. Et quand il y a du vent, ça fait ça. Ça faisait ça depuis tout à l'heure. Et quand même, bon, je suis pas trop superstitieux, je suis dans un cimetière, mais quand même. Bon, finalement, je me suis aperçu que c'était ma canette de bière. J'aime autant. Un bon petit fromage de la région. De la région France. C'était marqué dessus. Hein, vendu par un certain Marquette. Ouais. Il est bon. Très bon. C'est un petit caprice des vieux. Voilà, donc ça tombe très bien. Ouais, c'est bien. Bon, oui. Dessert de choix. Alors, ouais. Le chemin s'est drôlement fait défoncer par les engins forestiers, hein, parce que ça fait déjà au moins 500 mètres que je marche sur les côtés pour éviter la gadoue. Je pense que c'est pas fini. Et là encore, c'est rien à côté des immenses flaques que j'ai croisées tout à l'heure. Bon, on va essayer de ne pas se casser la figure. Hop, c'est bon. Ouh. C'est dingue ça quand même, ce chemin. Interdit aux 4x4 qu'ils ont dit. Ben ouais. Bon, on va se faire un petit bout de route. On va passer devant des haras, pas mal. Alors j'avais vu le nom du chemin sur la carte. Et ben oui. Chemin des tiques. J'adore. Charmante petite bête. Si ça devient étroit avec des herbes hautes, ça va être moyen à la sortie du chemin. Je vais inspecter le pantalon et les chaussettes. Voilà. Le bas de pantalon, je l'enlèverai pas mon pantalon. Un tout petit chemin. Voilà, donc il y a une solution. Il y a une solution. C'est de chanter pour leur faire peur. Et oui. Et ça me donne de l'entrain pour marcher. Bon, car au bout du chemin si ça a été efficace. Ouh, ça descend en face. Ouh, hop, hop, ouh. Oh purée. Ça c'est de la maison isolée ça. Oh la vache, alors là loin de tout. Hein. Waouh. Superbe. Allez, on descend là-dedans. On garde de ne pas lui souiller. Hein. C'est plein de petits graviers. On peut trop ça. Hop. Voilà. Quoi, ça c'est le chemin tout à l'égout de la maison. Pardon. Non, c'est pas drôle. Oh, oh, oh les boutons d'or. Oh, dis donc, le festival. Alors, qui l'eût cru à cette époque-ci de l'année? Bon, c'est chemin creux, chemin galueux. On va doucement, avec des cailloux en cailloux, enfin, là où je vois des cailloux en tout cas. Oh, oh. Voilà. Bon, allez, j'en vois le bout, rien d'insurmontable. Ça monte, c'est étroit.
sac à dos qui grince. Pas sûr de l'entendre à la GoPro. Couicou, couicou. Je suis suivi par un petit oiseau depuis ce matin. Bah oui. Oh bon. Oh. Dis donc. Oh bah. Bonjour l'âne. Oui. Eh ah ben mon gars. Ça alors. Oui. Ça alors, quelle salutation! Eh ben écoute, j'en ai autant pour toi, hein. T'es beau, l'âne, vraiment très beau. Oui. Ben, ça annonce, voilà, c'est une belle fin de rando, hein. Merci de me l'avoir annoncé. Impeccable. Ça, c'est super. Je ne pensais pas avoir un adieu aussi chaleureux. Ce sont les derniers 200 mètres. Et puis j'arrive sur le parking de la mairie, je récupère la voiture. Et ça sera fini. Il est quasiment 4 heures. Il sera 4 heures sur le parking. C'est une belle balade. Dommage, il y a un peu de route. Mais sinon, hein, sinon c'est une belle balade. Il y a du dénivelé, hein, sympa, bien. Hein. Et puis, des belles maisons. Ah ouais, ça j'ai vu des grandes, très très belles maisons. Beaucoup de vent. Un peu froid pour déjeuner. Mais bon, ça fait partie du plaisir de la promenade. Hein. Voilà, c'était très très bien. Et bien voilà, ça y est. Retour à la voiture. Il fait chaud dans la voiture apparemment. Ouais. Il a l'air de faire bien chaud dans la voiture.